La puissance et les effets destructeurs d'un ouragan appelé cyclone ou typhon sont mesurés sur l'échelle Saffir-Simpson. Elle classifie les ouragans en 5 catégories en fonction de la vitesse du vent et des dommages potentiels. En catégorie 1, les vents soufflent de 119 à 153 km/h. Ils endommagent les maisons, les arbres et les lignes électriques. En dessous de ce seuil, le phénomène est considéré comme une tempête tropicale. En catégorie 2, les rafales de vent de 154 à 177 km/h causent de gros dégâts sur les bâtiments, l'électricité est coupée plusieurs jours. À partir de la catégorie 3, les cyclones sont considérés comme majeurs car ils sont meurtriers et provoquent de gros dégâts matériels. On constate des inondations. Les vents des ouragans de catégorie 4 soufflent entre 209 et 251 km/h. Les dégâts sont catastrophiques, la population est évacuée jusqu'à 10 km des côtes, des zones résidentielles sont inhabitables pendant des semaines voire des mois. Les tempêtes de catégorie 5 sont les plus puissantes, les vents d'au moins 252 km/h détruisent les infrastructures, rendant inhabitables les zones touchées pour plusieurs mois. Des évacuations jusqu'à 16 km à l'intérieur des terres sont préconisées.